Salut tout tous, c'est on se trouve pour l'épisode, enfin le premier épisode de votre piste Performance 3, 4, donc voilà, je vais commencer du coup, ouais, problème de connexion, voilà, du coup déjà, vers plusieurs sauvegardes donc c'est nickel, du coup on a toujours le mode trésor, enfin c'est une évolution du mode rêve, donc c'est tout pareil, mais la présence est beaucoup plus dure que ça, donc le mode libre, mode voilà. Et voilà. Cachete, Monkey D. Luffy wa osanai koro ni deatta idaina kaizoku, Akagami no Shanks to no yakusoku o hatasu tame, hitori umi ni deta. Soshite, itsuka kaizoku ou ni naru toyu yume o mune ni. 海賊狩りの剣士ゾロ狙撃手の嘘っぷコックのサンジ航海士のナミそして海賊船ゴーイングメリーゴーを航海の仲間に加えたルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちが忍び寄ってグランドラインその果てにはカステの海賊王ゴールドロジャーが残したと言われるワンピースがあるとされる。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで 海軍大佐、白陵の相撲カーに追われたが、なんとか振り切り、イーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を書くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前に、 それぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞ、グランドライン。グランドラインに入り、新たな冒険を始めたルフィたちの前、秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国ビビとデア。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを、 祖国に送ることに決めた一味だった。波が高熱を発して倒れてしまう。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタ王国を。ドラム王国に上陸した一味は、国唯一の医者ドクター・クレハの涙にクレハの弟子、人々の身を食べたトナカイ、チョッパーとである。 ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにもこばまれた化け物である。仲間には慣れず、誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど。君のニーズを捨てるパーソナージュ、ちょっと少ないさ。今、トロのパーソナージュ、少ない。波の表情を無事に確保し、チョッパーを仲間に加えて、 冒険を再開した一味はビビの族、アラバスタへと舵を取る。ボチボチ時間だ。もうしばらくしかないので、farmer les pièces。なんてあんまりやるパンダマンあ、見つけたら、どこへ行くか。 クロコダイルは国の人たちにとっては、しかし、クロコダイルは国をまずはそれを抑えて、バロックス話は分かったわ。それはビデオ、それはビデオ、めこの時間、ずっとパンをつけ、僕、longtemps、vous avez expliqué en gros、voilà、même en live。En live、vous avez coupé à partir d'ici、donc、j'ai dommage、quand on enregistre directement avec la PSK、il y a pas un petit chrono pour aider les gens qui font les vidéos。
Enfin, je sais pas, il faut peut-être aller dans les paramètres pour voir si on peut activer un truc comme ça. Là sur PS4, donc le jeu est disponible sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Ah, tête de Tashi. Les scènes sont hyper belles. Par contre, y a, c'est plus en mode un peu fenêtre de manga, je pense que c'est beaucoup plus stylé. Je trouve ça dommage qu'il manque tant d'arc. Hein. Voilà, on a une technique. Voilà, donc le petit diamant, c'est la pièce pour mettre des capacités. Le cœur, donc, vous avez, c'est la vie, enfin la santé. Donc, pour farmer l'argent, on peut faire le mode trésor. Ça va pour le technique, ça va, c'est tout le temps la même, mais juste pour ça. Ça c'est très important, c'est le truc qu'ils ont là. Allez, donc le type de saké, puis voilà. Condition de pièces, donc qui va vous permettre d'avoir plus de pièces. Donc ça c'est vraiment utile. J'ai essayé, je trouvais que le jeu, franchement, était beaucoup mieux que la trilogie, à mon sens. Sur une fois que les personnages sont niveau puissant. Voilà. Fais bien attention. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plusieurs techniques, plusieurs attaques, on est plus réduit à 4 barres et si on fait plusieurs fois la même attaque, on va tourner en rond. On est pas plus rond, c'est un petit dash. Donc bien sûr, vous pouvez équiper comme tous les techniques. Voilà. La carte elle est petite, mais vous pouvez la grandir avec la flèche. Bien sûr, sécuriser les zones, c'est plus obligatoire que dans les plus loin. C'est une demande, bien sûr. Je vais remarquer pour le avant le rang, c'était hyper évident. Le tour est coffre en or, mais les coffres. Coffre en or et les coffres. Les coffres pour avoir de la nourriture et tout ça, pour se soigner, pour avoir des bonus, c'est beaucoup plus rare. C'est moins présent. Les combos aériens, on peut maintenant quasiment faire plus de combos aériens. On avait, mais c'était. Voilà, c'était pas tout dans le combo. Je
pense qu'il y a une mission par épisode. Au final, le jeu, il a quand même une bonne durée de vie, mais il est beaucoup plus court que le troisième. Il manque pas mal de personnages, donc il manque Magellan, Garp, Ener, César, Bartholomew, et puis Moria, voilà. Ouais, j'ai vu qu'au niveau des multijoueurs, ça a été amélioré. On peut jouer à 4 en ligne et à 4 en local, donc avec la manette. Donc, je trouve ça hyper génial. Je réduis dans la trilogie à faire tout le temps du V2. Donc j'ai essayé Sabo aussi en ligne, donc il est aussi bien que dans le 3ème, même mieux. Sans parler. Donc les attaques spéciales se rechargent tout seul, mais ça se recharge aussi en frappant les soldats aussi. Le style comme ça, j'adore. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont chaque personnage, il y a un style différent. Enfin, certains qui ont le même, un style rapide, style force, style technique, style vol. Donc, n'oublie pas, quand on commence le jeu, on va le faire en fait déjà pour avoir quelques pièces. Bien sûr, évidemment, on n'est pas aidé parce que dans le jeu tactique, on gagne pas du tout de pièces. Hein. C'est que à partir de ce niveau-là. Hop. Voilà. Il y a pas mal d'attaques combo, enfin d'attaques qui étaient présentes en tant que combo qui sont passées en technique spéciale et d'attaques spéciales qui sont passées en combo. Ah oui, dès qu'ils ont que leur violette, ça veut dire qu'ils sont... Qu'est-ce que je dis? Merde, je savais plus ce que je dis. C'est vrai que quand on avait commencé à enregistrer la première fois avec le truc, c'est vrai qu'on pouvait enregistrer beaucoup longtemps. Ah, c'est plus pour mieux faire, oui. On va faire par une mission ou par les vidéos où ça va être long. Il y a certaines missions qui vont être sur un niveau qui vont être hyper long. Après, je sais qu'il y a aussi, ils ont fait un peu à la Pirate Warrior 1 des combats de boss spéciales à certains moments. Tout ça, je le ferai peut-être. Pour les caisses, ils sont repassés au R3 et pas en Empire 3 et fin. Donc c'est un peu le mélange des 3 opus plus du 1. Enfin, donc c'est vrai, c'est un peu idiot d'avoir mis une couleur violette pour dire que voilà, que les leur défense est moins puissante quand ils sont violets. Quand là, sûrement ça devrait être. Justement, ça devrait être l'inverse.
ほら。捕まえなきゃいけないのに。兄ちゃん、どうにか振り切らねえと。 Au niveau du temps, c'est limite pour avoir l'Orange. Non, ouais, c'est sûr. Par contre, on va peut-être le garder. Enfin, les coffres qui sont pas autant présents, c'est ça dommage, ça rend le jeu beaucoup plus compliqué. Même dans les futurs DLC, dans les futures mises à jour, dans les futures éditions qui mettent un système, voilà. De la King Wars 3 dans le DLC où on avait des paramètres pour non plus la première mission, c'est pas la plus longue. Voilà. Il a voulu faire son attaque spéciale, mais c'est mort. Ce qui est bien, c'est que dans les combos rien, tu peux faire tous leurs combos. C'est le seul, quoi. Yes. Évidemment qu'on sera beaucoup plus élevé et qu'on aura plus équipé plus de pièces. Améliorer enfin, la zone de furie. Quand même, il y a des petites funnels, quoi. Donc lui il est trop bien, il est trop beau. Bon, je lui crois pas trop au rang S. Hein. On va voir. Mais je pense que le conseil qu'il faut vous donner, c'est de commencer à en faire en facile. Et dès que vous avez eu assez de pièces et beaucoup d'argent, ben, quand vous avez commencé à monter un personnage beaucoup plus... à un certain niveau, ben, voilà, vous commencez à attaquer en normal pour commencer à avoir les rangs S. Niveau 3.
il a... il était pas niveau 3 Ace. Voilà. Nami, oui. Carte niveau 2, Nami. Voilà. Bon, clairement, vous pourriez pas faire la différence. Mais si vous mettez pas collection de pièces, vous aurez moins de pièces. Après, il faut. Une technique avec Nami, enfin débloquer une technique avec Nami, voleux, je sais plus trop quoi, ce qui vous permet d'avoir plus de berry. Les techniques qu'on avait dans, comment dire, dans Pirate Warriors, dans la première trilogie de Pirate Warriors, c'était pas si fin grand que ça, enfin, c'était pas terrible, c'était juste des petites capacités, voilà, pour faire plus de score plus rapidement. Prendre boost un petit peu vos attaques ou améliorer la charge de la barre Kizuna. C'est dommage que la barre Kizuna s'est enlevée. Oui, elles sont présentes, on va dire, entre guillemets, elle est présente pour faire les attaques spéciales, voilà, ou se transformer, mais autrement, elle est plus présente pour invoquer un personnage en soutien et puis remplir la jauge et puis hop, faire une attaque spéciale plusieurs. C'est vrai qu'après, c'est chuté parce qu'on gagnait pas mal d'argent. Mais là, vu qu'on a besoin, comment dire, d'argent et puis de pièces pour débloquer plus rapidement les personnages. Pour le débloquer, évidemment, j'ai essayé Bartomeu, mais il est pas terrible. Je resterai quand il sera à un certain niveau, sans que j'aurai pas mal de... De compétences, enfin pas de compétences, enfin si, mais plutôt de combos et d'autres tac-tac. On a fait un petit sauvegarde parce que j'ai dit. Voilà. J'apprécie que qu'on fait les modes, enfin, les arcs ont plusieurs chapitres. Je pense que c'est super bien, ça améliore la durée du jeu, sauvegarde. Voilà, je garde l'autre partie quand même. Donc moi sur ce, je vais m'arrêter là, donc j'espère que ça a bien enregistré. J'ai réglé comme 6 minutes, tiens mon saison mise fait 1 heure. Là ça fait peut-être une trentaine de minutes, voilà, donc 20 minutes, ouais. Donc je pense que je ferai par épisode. Donc, je pense que je vais vous montrer le mode trésor. Ah, du coup la première mission, faisait attention à ce qu'elle est chaude. Donc essayez au minimum d'améliorer un personnage, de commencer en facile, de faire un personnage, ou de la faire en facile, voilà, ou de faire un, voilà. Donc voilà, cette mission là je l'ai fait avec Sabo, franchement elle est bien. Donc, voilà. Bien sûr vous pouvez les refaire les missions évidemment. Pour former les pièces. Donc, voilà, je pense que j'ai pas mal de farm à faire, donc voilà. Du coup, sur ce, je vais m'arrêter là pour le premier épisode de One Piece Pirate Warriors 4. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo si vous avez fait sur ça. Bye.